Hey yo, what's up guys, c'est Dims et on se retrouve pour un petit live commentary sur Call of Duty Black Ops. Alors pourquoi je suis sur ce jeu? Bah, tout simplement parce que je viens de failer un zombie avec Lady Girl. On a fait les manches 77 sur Kino Der Toten et donc j'ai envie d'enlever la rage qui est à l'intérieur de moi et surtout aussi parce que j'ai bu pas mal de Red Bull pour tenir la nuit et du coup j'arrive pas à dormir, donc me voilà sur Black Ops. Pour info, il y a aussi le trailer de Black Ops 2 qui est sorti cette nuit. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez trailer Black Ops 2. C'est un trailer qui montre surtout des cinématiques du multi. On voit que le jeu se passe dans le futur en fait. C'est pas comme Black Ops qui se passait pendant la guerre froide. Ça sera une autre guerre froide en fait, après bah, celle que l'on connaît déjà. Alors je me retrouve sur Arai avec ma MP5 qui est rapide, qui ne tue pas. C'est vrai que cette arme elle est pas super. On va changer. On va prendre le FAMAS. Cette arme là de loin, c'est une map. Je pense que la MP5 est assez dure à jouer. Sauf si vous restez tout le temps dans la zone du milieu. Ils ont détruit votre équipement. Le Turc du 74. Ça, c'est un putain de gamer tag. C'est un vieux truc. Je l'avais entendu. Et il est suivi en plus. Voilà, donne-moi ça. C'est vrai que la cale est quand même un petit peu plus puissante que la MP5, à moyenne et longue portée. Le casque il est vraiment abusé sur ce jeu, on entend tout. Dès que le mec a pas ninja, c'est foutu. Fait un demi-pas, il est niqué. Oh là là, c'est quoi? Je me suis téléporté là. Je vais lâcher l'affaire, je vais me faire griller. J'avais oublié qu'on pouvait sauter comme ça dans le jeu. Ça, c'est fun. Sniper là-bas, j'ai pas envie de me faire sniper, j'aimerais bien faire ma série. Putain, il a réussi à le tuer en barreau. Vraiment la toux de merde. Entre le R6D et le Napalm. R6D il arrive. Par là. Allez, Blackbird, Blackbird, what you gonna do when you come for you? Qu'est-ce qu'il va faire contre mon Blackbird? Bah, pas grand chose. Hein. Il est un peu foutu, je dirais. Et c'est vrai, le Yui va pas m'apporter les chiens. C'est à moi de les débloquer moi-même, faut le mieux que je le fasse maintenant vu que j'ai le Blackbird. Eh ouais, what you gonna do? En gros, cette chanson, pour ceux qui savent pas, c'est la chanson de Bad Boy. Et what you gonna do, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire? What you gonna do when you come for you? Quand on vient te chercher, quoi. Quand on vient pour toi. Oh là. Les chiens attendent vos ordres. Et voilà, fin de partie. Yui, Yui, papa, papa, papa. Ça change du. Des vieux killstreaks de moderne.
Ouais, je me fais vite loquer, par contre, c'est pas cool. Il est abusé ce truc Yui là. Pop pop pop. Fait des massacres avec ça, vraiment des massacres. Bon, bah j'espère que ce petit gameplay retour sur Black Ops vous a plu. La map c'est un peu une map dégueu, mais bon, je vais essayer d'en refaire une autre sur une map un peu plus dangereuse, genre Summit ou Firengrange. Allez, on se retrouve très bientôt les amis. Ciao ciao, bye bye.